Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui va concerner Devil May Cry, donc la célèbre licence de Capcom qui vient récemment de fêter ses 20 ans. J'en parle très peu sur la chaîne, donc je me suis dit que ce serait l'occasion d'en parler justement pour fêter les 20 ans un peu de cette saga, de cette cultissime saga, d'en parler via une tier list. Donc la tier list, je vais pas expliquer le principe, on en a vu et revu sur YouTube, mais ça va me permettre de parler de saga dans la globalité, de vous donner mon avis sur des grandes sagas du jeu vidéo sans forcément m'étaler pendant des heures et des heures. Et c'est ce que je vais faire donc avec Devil May Cry, parce que j'ai un avis très personnel, ce sera toujours des tier list très personnels, mais j'ai un avis assez contraire à beaucoup de joueurs, beaucoup d'amoureux de la licence. Vous allez voir, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'ailleurs d'accord avec ma tier list ou non, mais à mon avis vous serez nombreux à ne pas l'être. Et voilà, donc je le ferai sûrement à l'avenir sur d'autres licences, Resident Evil, Uncharted, je vous donne des exemples. S'il y a des sagas dont vous voulez avoir mon avis personnel dans la globalité, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et avant de débuter, si la vidéo vous plaît, comme toujours, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, tout ce qui aide la chaîne à se développer. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Donc Devil May Cry, on va débuter tout de suite avec le tout premier, donc 20 ans, sorti en 2001, donc le tout premier DMC, je vais vous le dire, j'ai gardé la notation typique des jeux Devil May Cry, hein, pour la notation avec les SS, les A, les B, les C, voilà, je me suis dit tant qu'à faire, je le mets tout de suite en S, pourquoi? Parce que c'est mon Devil May Cry préféré. Voilà, je mets fin à tout suspense. C'est mon Devil May Cry préféré, le premier que j'ai découvert, hein, à l'époque de sa sortie en 2001. Et c'était vraiment une claque. C'était vraiment une claque sur le gameplay. C'était vraiment une claque sur l'ambiance, le personnage de Dante, sur les boss, sur le charisme général des protagonistes et des antagonistes, sur tout ça. Vraiment, c'était vraiment une gifle à l'époque. Il n'y avait vraiment rien à lui reprocher. C'était un jeu exigeant. C'était un beau jeu. C'était un jeu fun à jouer. Donc voilà, pour moi, il est culte. Depuis 2001, et il est toujours à mes yeux. Alors même si j'y ai pas rejoué depuis, mais je sais que si je le referai, je retrouverai tout de suite l'effet nostalgie et je me régalerai vraiment avec. Donc pour moi, Devil May Cry 1 sans m'étaler, mon DMC préféré, c'est pour ça que je le mets en S. Devil May Cry 2, avant de le placer, j'ai un avis assez contraire à beaucoup d'entre vous sûrement sur Devil May Cry 2. Je ne l'ai pas refait à l'image de DMC 1 depuis sa sortie, sauf qu'à l'époque, ça doit être le DMC que j'ai le plus saigné. Je l'ai fait dans tous les sens. On était vraiment à l'époque où cette mode Matrix, courir sur les murs au ralenti, tout ça, ils avaient implémenté ça dans le gameplay de DMC 2. Et je trouvais ça ultra classe, ultra fun à jouer. Et Dante, de toute la saga des Devil May Cry, c'est là où, à mon sens, il est le plus classe dans ce Devil May Cry 2. Donc j'ai vraiment adoré, moi, à l'époque. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, que c'est vraiment le DMC le plus nul et tout le monde chie un peu dessus. Ben écoutez, moi, j'ai vraiment adoré à l'époque. Donc je vais le placer en A, parce que les souvenirs qu'il me laisse, c'est pas les... Je ne partage pas le même souvenir que la plupart des amoureux de la licence ou des joueurs de ce jeu. Donc peut-être qu'en le refaisant, je me rendrai compte que c'était de la merde. Mais en tout cas, si je dois juger à ce que moi j'ai comme souvenir, c'est pas le cas. Devil May Cry 3, que j'ai découvert plus tard. J'ai pas découvert à l'époque de sa sortie. Et c'est un jeu que j'ai pas fini parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me mettre dedans. J'ai pas aimé déjà le principe de choisir quel style on utilise avant chaque mission. Ils ont rectifié la chose sur Switch, je sais. Maintenant on peut choisir et on peut switcher en pleine mission. Mais à l'époque j'aimais pas ça. Ça me saoulait un peu de devoir choisir et de devoir priver du style Gunslinger ou Swordmaster avant chaque mission. Et en soi, je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que j'ai pas réussi à aller plus loin que ça. Donc pour le coup, je vais le mettre en C. Parce que j'ai pas réussi à le finir, je peux pas le mettre en B, je le laisse en C. Pour moi, c'est à revoir, faudrait que je le refasse, faudrait que je prenne la HD Collection et que je me refasse les 3. Des fois, je me rendrais compte que le 2 c'était de la merde et que c'était à chier, et que le 3 était vraiment excellent parce que je sais que c'est un DMC qui est beaucoup aimé. Et il mériterait une place en A, voire peut-être en S, détrôner le premier Devil May Cry, pourquoi pas. DMC 4, j'ai pas aimé Nero, un sous-denté qu'on nous livre comme ça, vraiment aucun charisme. Vraiment, j'ai pas aimé le personnage, son gameplay était pas oufissime, même si on retrouvait des similitudes avec celui de Dante évidemment. Et j'ai surtout pas aimé le fait de devoir refaire
après la moitié du jeu passé, tout le chemin inverse avec Dante. Et du coup, je me suis pas mal emmerdé avec ce DMC 4. Donc pour moi, c'est peut-être le moins bon de la saga. C'est sûr en tout cas que j'aurais vraiment envie de refaire le moins si on me proposait de refaire tous les DMC. Donc je vais le mettre ici en D. Donc n'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus. Je sais que DMC 4 est assez clivant. DMC 5. Devil May Cry 5, c'est un peu le même cas que Devil May Cry 3. C'est-à-dire que lui, je l'ai découvert Day One par contre, ou quasiment. Et j'ai eu beaucoup de mal aussi à mettre dedans, mais en fait là pour le coup c'est la direction artistique. C'est un peu le problème, la direction artistique de Devil May Cry 1 était parfaite, à planter une base on va dire. Et tous les DMC qui sont arrivés après sont partis dans des autres délires et tout ça. Et celui-ci c'est pareil, les mondes ne me bottaient pas, je sais pas, j'ai pas aimé évoluer dans l'univers de Devil May Cry 5. Et du coup ça m'a un peu sorti du jeu, ça m'a un peu coupé. Le gameplay de V, je l'ai... moyen quoi, j'ai pas trop accroché aussi à ce délire de combattre à distance, avec envoyer ses créatures, tout ça, mais c'est vrai que quand je vois des vidéos YouTube de combos absolument fous, je me dis ouais, en fait les possibilités sont énormes et il faudrait que je leur donne une chance, mais dans l'ensemble c'est un peu le même cas que DMC 3, donc je vais le mettre avec DMC 3, donc en C. Et pour terminer avec cette tier list DMC, on finit avec DMC, donc le reboot de Ninja Theory de Devil May Cry, qui à mon sens était vraiment un excellent jeu en termes de gameplay, de fun à jouer, de tout ça, possibilités de plaisir manette en main. Je pense qu'il mériterait facile d'être en rang S, mais j'ai beaucoup de mal, faut l'avouer, avec le chara design, avec le personnage de Dante dans, et des autres, hein, Virgil et autres, dans ce jeu très beaucoup plus poussé sur l'humour que le Dante classique, même si le Dante classique est un peu comme ça. Mais visuellement, il était quand même moins badass et moins classe que notre bon Dante. Donc ça reste un excellent jeu, c'était un excellent reboot qui aurait mérité vraiment d'être plus apprécié par les joueurs et pas se faire cracher dessus comme ça a été. Donc je vais le mettre à côté de DMC 2 en A. Donc voilà, ma tier list hein, concernant Devil May Cry. C'est une tier list qui me parle bien, qui est vraiment personnelle et propre à mon avis. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quelle place vous auriez mis DMC 1, le 2 ou le 5. Et si vous êtes plus ou moins d'accord avec ma tier list. Moi je pense que c'est ça décrit bien mon avis sur Devil May Cry. C'est une saga qui a côtoyé l'excellentissime avec DMC et le moyen voire le mauvais avec DMC 4, donc voilà, mais dans l'ensemble c'est une saga qu'il faudrait que je redécouvre avec la HD Collection, avec le 4 et le 5, histoire de me refaire un avis, et là peut-être que je partagerai un avis différent sur les réseaux et, ou sur le Discord de la chaîne. Donc je vais pas refaire une tier list après avoir redécouvert la saga, il en va de soi. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres tier lists comme ça, n'hésitez pas à venir le dire dans les commentaires. C'est simple à faire, c'est tranquille, puis ça permet de partager entre nous nos avis sur des grandes licences comme ça. Si vous voulez partager justement concernant Devil May Cry, vous pouvez le faire dans les commentaires, mais aussi via les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description, hein, Twitter, Instagram, Facebook et le Discord de la chaîne. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit partage. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.